Et yo tout le monde, c'est Lucas Braz. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Ruby. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Ben, nous avons pris notre tout premier starter, Arco, qu'on a renommé Zarco, et nous avons réussi à capturer un Ziffle, pardon, excusez-moi, un Grenipio que j'avais renommé Ziffle, et un Tarsal que j'avais renommé Zarvoir. Alors, mon but, c'est de renommer tous les Pokémon de mon équipe avec un Z. Voilà. Voilà, donc j'XP un peu comme vous pouvez le voir. Enfin, Zargo a beaucoup à XP parce que Ziffle. Oups, je vais vous montrer, il a juste aucune attaque qui peut attaquer à part patience. Mais ça rate tout le temps, alors voilà. Donc, regardez, patience, armure, croissance. Alors, on va regarder les stats alors. 17-17, bah, il est plutôt attaque, défense spéciale. Il est plutôt attaque spéciale, défense spéciale, et Tarsal est plutôt 14. Ok, donc attaque spéciale. Ok, donc voilà. Mais donc nous allons continuer notre aventure maintenant. On perd pas plus de temps. Alors là, je suis en train d'uploader Pokémon Rouge Feu épisode 6. Donc voilà, je tourne en même temps. C'est pour ça que je lag un petit peu. Je ne vous le cache pas. Si tu es un bon Pokémon avec toi, alors tu es officiellement un dresseur de Pokémon. Tu ne peux pas refuser mon défi. Ok, comme tu le souhaites, mon ami. Dixaton. Donc, ok. Vas-y, Zarvoir. Attaque, choc mental. Voilà. Donc, en fait, j'arrive à, pour le moment, à sortir Pokémon. Je vais essayer, plutôt, on va dire. Essayer de sortir Pokémon version Ruby le mercredi ou le jeudi, et Pokémon Rouge Feu le samedi. Ce serait donc deux vidéos par semaine. Et le dimanche, j'aimerais faire en fait un petit truc. Je vais essayer de faire des speed art dessinés à la main de moi-même. Et je vous les mettrai dans une vidéo que je ferai le dimanche, où je ferai sûrement des pixel art dans un monde tout plein créatif. Je ferai sûrement des Pokémon comme ça, là. Par exemple, je sais pas moi, un Salamèche ou autre même. Pas spécialement que du Pokémon, mais ça sera sur Minecraft en tout cas. Donc voilà, j'hésite à faire cette petite nouvelle série, enfin, si on peut appeler ça une nouvelle série. Donc voilà, je sais pas, j'ai réfléchi. C'est sûr, peut-être que dimanche, la vidéo, enfin mercredi, la vidéo sortira. Peut-être que dimanche ça sera pas encore série, la série. Donc voilà, j'ai réfléchi franchement longtemps, mais j'arrive pas à me des idées. C'est pour savoir si je le fais ou pas. Parce qu'il faudrait que je trouve le temps de dessiner aussi. Et tout ça, donc c'est un peu compliqué, mais pour moi ça sera possible. Donc ce sera sûrement ma troisième série. Ma première série, je vous rappelle, est Rouge Feu. Deuxième Ruby, et la troisième ce sera sûrement ça. Je l'appellerai sûrement je sais pas, Pixel Art and Speed Art, mais le E avec le E qui a O-N sur le clavier. Voilà, ça sera sûrement, je l'appellerai sûrement comme ça. Donc je vous mettrai à la fin le Speed Art à la fin de la vidéo. Et je sais pas si je le ferai en accéléré, si je ferai genre un pixel art en accéléré ou je le ferai pas en accéléré. Je pense le faire en accéléré et en faire un seul, comme ça la vidéo genre durera 2, 3 à 4 minutes maxi. Comme ça le rendu va être super rapide et la mettre sur YouTube sera aussi rapide. Je ne suis pas très grand, alors je m'enfonce dans les autres herbes. L'herbe chatouille mes narines. Ah, tchoum! Ok, donc voilà, voilà, je pense que je vais faire ça. Ça sortira soit dimanche ou soit dimanche prochain. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Rien, je pense. Non. À part qu'on a atteint, je crois, les 80 vues sur la chaîne. Je vous en remercie énormément. Je suis vraiment touché. Voilà. Après, qu'est-ce que j'aurais pu vous... Un dresseur. Tu viens juste de devenir un dresseur. On est tous les deux des débutants. Ok. Donc oui, peut-être. Je pense que ça sortira quand même dimanche. Et peut-être qu'il n'y aura pas de speed art à l'épisode 1. Je vais essayer. Je pense que j'ai le temps d'en faire une ou deux.
dans la charge de Pokémon parce que choc mental marche pas sur lui. Pardon, je sais pas si vous m'avez entendu parce que j'ai un bug de micro là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc oui, je change parce que choc mental ne marche pas sur lui. Donc on va mettre Zarco. Ouais, ça sortira dimanche. Je pense, c'est quasiment sûr même. C'est quasiment sûr. Oui, j'étais sûr même. Voilà, niveau 13. Hirondelle. On va essayer de pexer un peu dans Ziffle. Voilà, Ziffle go. Sauf que Hirondelle, ça va pas trop le faire. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas réfléchi au reste de mon équipe. Je pense qu'il y aura une Hirondelle, mais c'est pas dit. Je chercherai peut-être un autre Pokémon de vol. Mais voilà, je pense que ce sera lui. On m'a attiré pour changer, parce que demain matin on est ni toujours, pardon. Ouais, je vais faire ça. Je sais, je parle beaucoup de pixel art et speed art, mais je vais le faire, oui. C'est un petit truc qui j'aurais aimé faire, quoi qu'il arrive, peut-être pas, ben pas spécialement maintenant, mais j'aurais aimé au moins le faire sur ma chaîne. Après, je sais pas combien il y aura d'épisodes, hein. Je vais faire des speed art ou quoi que ce soit, mais vu que ce sera des petites vidéos, il y en aura quand même beaucoup pour essayer de faire 3 vidéos par semaine. Donc voilà. On va pas les planter parce que vu qu'on va pas rester beaucoup longtemps ici, on va plutôt les planter où on restera longtemps. Allez, voilà. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de me refaire une nouvelle introduction parce que voilà, je sais pas. Je vais essayer de m'en faire une. Ou sinon, si vous connaissez quelqu'un qui peut faire des introductions gratuites, je suis preneur. Ou même si vous pouvez faire des introductions, je suis preneur aussi. Donc, bah, dites-le moi par message privé sur YouTube. Je dirais pas non. Sera sûrement utile pour plus tard. Même pour maintenant, tout simplement. Aïe. Ouf, il m'a fait mal coup critique. Choc mental. Voilà, il est mort. Yeah. Alors. Y a pas une. Je pense qu'il y a une Pokémon. Ouais. Alors, y a quoi? Potion! Donc voilà. Clémentiville. Ça y est, nous sommes dans la première ville du jeu. Sans compter la nôtre. Alors, comme d'habitude, on a accéléré, on change pas les bonnes habitudes. Oups, je me suis trompé, va-t'en. Voilà. Alors, on va visiter la ville là. Bonjour. Norman est le nouveau champion d'arène de notre ville. Je crois qu'il a fait venir sa famille de la région de Johto. Bah oui, je suis son fils. Logiquement. J'ai affronté Norman une fois, mais il était bien trop fort. Comment dire? J'ai le sentiment qu'il ne vit que tous les Pokémon. Si tu le dis, monsieur. Enfin, finalement, on va pas visiter parce qu'ils vont rien nous donner sûrement. Donc on va aller, vu que je connais quand même la série, enfin, le jeu, on va aller à l'arène. Voilà, on va parler à notre papa. Papa. Tiens, oh, mais c'est toi, Elby. Alors, le déménagement est fini? Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh, je vois. Tu es avec des Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur, Elby. C'est une très bonne nouvelle. J'attendais ça avec impatience. Oh, j'aimerais avoir un Pokémon, s'il vous plaît. Hein, tu es... Oh, mais oui, tu es timide, n'est-ce pas? Je vais dans ma famille... Je vais dans... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug. Je vais dans ma famille à Zargazon.
Comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Pokémon en route, mais je n'ai pas réussi, je ne sais pas comment. Je vois. Elby, tu as entendu? Avec Timmy, assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque. Tiens, Timmy, je te prête mon Pokémon. Timmy, reçois ce carton. Oh, wow! Un Pokémon! Je vais aussi te donner une Pokéball. Allez, file! Reçois Pokéball, Timmy. Oh, yo! Elby, tu veux bien venir avec moi, vraiment? Allez, go! On y va, on y va. Oh, pendant qu'il marche là, je vais regarder ce que je pourrais prendre dans mon équipe. Force enfin, d'accès, sinon de même attendre toujours là. Et lui, les Pokémon se cachent dans les terres, bah, comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde si j'arrive à en attraper un correctement. Waouh! Alors, ça, c'est bon. Alors, un type. J'ai pas de type O encore. Ah ouais, peut-être que celui-ci serait bien. Grenipio, il est de type plante, plante. Puis feuille aussi. Et après, dans Calice, plante ténèbres. Alors, comme type vol, j'en ai peut-être un. Ça non, je pense. Toi, ouais, tiens lui. Ça ferait 5 là avec lui. Et peut-être avec. Ah, 6. Ah, j'ai peut-être mon équipe. Je regarde, vous inquiétez pas, on sait jamais. J'ai pas de type feu, si? Non. Ah, donc on va plutôt enlever lui. On va peut-être prendre lui. Et l'autre est de type quoi? Ok. Ouais, comme type vol, j'ai mon idée. Oui. J'ai mon idée. Ah, il y a peut-être lui aussi en vol, mais non. Ah ouais, je voulais prendre lui. Alors attendez. 4. Ça fait 5. Et je pourrais peut-être prendre. Je regarde. On va pas prendre de fossiles. J'ai réussi, c'est mon Pokémon. Merci Elby, retournons à l'arène. Ouais, je vais prendre lui. Bah c'est bon, j'ai mon équipe en tête. Donc c'est bon. Alors, ça a marché? Oui, en effet, merci. Je vous rends votre Pokémon. Elby, merci de m'avoir accompagné. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon. Je vous promets de bien m'en occuper. Oh, maman, m'attends, j'y vais. À plus Elby. Bon, maintenant, si... Elby, si tu veux devenir un bon tresseur, voici mon conseil. Va à Méroville de l'autre côté de la ville. Oh, le jeu de mots. Là, il te faudra battre le champion d'arène, Roxanne. Ensuite, rends-toi dans les autres arènes et bats le champion. Tu dois collectionner leurs badges, compris? Bien sûr, je suis aussi un champion. Un jour, on s'affrontera, Elby. Mais avant, il va falloir que tu augmentes ton niveau, Elby. Ok, papa. Donc, on part à l'aventure. C'est parti. On... Ah, peut-être que là, ils m'ont donné des trucs, il y a un panneau. Alors, bonjour, tu es... Ah, tu dois être Elby, n'est-ce pas? Merci d'avoir joué avec Timmy. Il est faible et maladif depuis qu'il est tout bébé. Nous l'avons envoyé chez des parents... Envoyé chez des parents, je sais pas quoi. L'air qu'on y respire est bien meilleur qu'ici. Comment ça? Où est Timmy? Il est déjà parti, notre Timmy? Je me demande où il peut bien être en ce moment. Attends, là, tu me donnes quelque chose. Timmy est très content de nous dire qu'il avait attrapé un Pokémon. Ça faisait une éternité que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. Vas-y, elle me donne rien aussi. Bon, allez, cette fois, on va essayer de faire la forêt. Et voilà. Et on s'arrêtera là. Enfin, on va aller à Mirouville et on s'arrêtera sûrement là. Toi, t'es une tresseuse, là? T'es même pas une tresseuse? Oh non, je ne suis pas dresseur. Ok, t'es pas dresseur. Toi, t'es une dresseur, toi. Toi, je le sens. Oh. Non mais il est sérieux lui. Non mais je veux... Ah ouais. C'est trop cool de laisser des traces de pas sur le sable. Galanipio. Allez, c'est parti. Ok, calcula. Ok. Voilà. On nous a mis combien de minutes... Ouf, on dirait un quart d'heure de vidéo, 15 minutes quoi, à peu près. À peu près. Donc, disons que j'ai jusqu'à 30 minutes, donc ça va. Parce que les épisodes, je vous le rappelle, ça fera entre 20 et 30 minutes comme dans Rouge. Et ouais.
Voilà, une hirondelle. Non, voilà. Oh, niveau 8. Ils sont plus forts, on va dire. Je m'en souviens, le dernier hirondelle qu'on a battu était niveau 3. Donc ça, ouais, c'est bon. J'ai... Ok. Attaque choc mental. Les dorsales. Enfin, les arbres, plutôt. Il fait mal. Voilà, il est mort. On va pas le gurir, ça sert à rien. Toi là, t'es une dresseur, je le sens. La mer, Ok, t'es pas une dresseur, toi. Bah attends. Alors. Voilà, je voulais faire ce truc ça. Oh oui, je relève le défi, j'ai beaucoup d'argent. Si tu le dis. Zigzaton. Un petit atoun. Allez, Zarvar. Choc mental. On change pas les bonnes habitudes. Ça c'est bien qu'il a calque parce que comme ça il pourrait prendre les mêmes capacités spéciales des autres. S'ils ont des bonnes capacités spéciales, et bien on a de la chance. S'ils en ont des mauvaises, bah tant pis. Tout simplement. Et voilà, il est mort. Niveau 11, je suppose. Ouais, alors il m'avait dit qu'il avait beaucoup d'argent. Reflet. Ok. Il donne combien lui? Mais le... Oh ouais, quand même, oui. Il m'en prend en fait. Voilà. 2B au rang, on prend. Voilà. On fait ça en accélérant, ça ira plus vite. Voilà. On va aller pas les... On va pas les... Oh là, pardon. On va pas les guérir. On y va direct. On va juste changer de position notre... Le Siffle, on va le mettre en première position. Vu que c'est pas un Nuzlocke Challenge, ça va. J'en ferai sûrement, vous inquiétez pas, un Nuzlocke Challenge. Donc c'est par ici. Voilà. Ah. Pour ça je fais un accéléré parce que ça tombe combat très très long. Si ça veut bien marcher. Oui, bassin, ça fait vraiment que rater. Quatre qui a raté. La cinquième. C'est la sixième. La sixième, la septième, la huitième, la neuvième et la dixième. C'est la dernière. Voilà. Voilà pourquoi je peux pas XP avec ce Pokémon. Je suis vite parce que là il a sa défense à fond donc voilà. Il faut que je change automatiquement. Allez, bonne équipe, ouais. Ouf, punaise. Ok, complètement. Pokémon. Zarco. Là, vu qu'il a assis, on fait tout ça, accéléré, quoi. Voilà. On tout shot. Voilà. Enfin, je vais plutôt continuer avec Zarco, ça ira plus vite. Alors, attendez, on va essayer avec lui attaque si on le tue. Ok, coup critique, mais donc on peut pas savoir. Attaque. Ok, on le tue un seul coup, c'est plus efficace que... Écrase face. Donc on va faire une attaque. Oh, vas-y, t'es suivi. Ah, bien. Ah ouais, ok, en plus, nous, on a gagné que 48 bokeh dollars. Ça, tant pis. Un Zatoon. Poké, on va mettre Zarco. J'aime faire les commandes accélérées, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, pour vous, je vais le laisser comme ça. Quand j'attaque sinon voilà, ça fait bientôt 20 minutes de vidéo, ça va, dans les temps. Alors antipara, ok, c'est cette touche. Ah, les combats dans la nature, on va les accélérer plutôt parce que sinon voilà. Ah, c'était là que je crois qu'on croise la première fois la team je sais pas quoi. C'est la team Magma ici, non? Rien du tout. Salut, t'aurais pas vu un Pokémon appelé les Belignons dans le coin? J'aime beaucoup ce Pokémon. Ouais, c'est la team Magma. Je voulais te piéger, mais tu as traîné dans le Pokémon team pendant une éternité, n'est-ce pas? Ras-le-bol d'attendre, alors me voilà. Toi le chercheur de Devon.
Ah non, ok, mais c'était lui qui parlait. Tant pis. Donne ses papiers. Ouais, tu es un dresseur de Pokémon? Non, il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu penses faire quoi? Comment tu vas le défendre? La team Magma n'a jamais de pitié pour ses ennemis. Pas même pour un enfant. Viens te battre. Ok, tu vas souffrir, team Magma. Ils sont super bien faits. Par exemple, on pourrait faire un pixel art de la team Magma. On pourrait faire l'histoire, en fait, un petit peu. Nous, par exemple, comme ça, nos Pokémon, la team Magma, toutes les personnes importantes, on va dire. Alors, on va faire un accéléré. Juste ça, voilà. Allez, lui, attaque. Excusez-moi. Non, faut pas qu'il... Ah! Ça y est. Ah, ok, Moro. Tu m'as bufflé, quelle force! Elle lui remporte 180 Poké-Dollars. Tu as eu le culot de te... Pardon, de t'opposer à la Dim Magma. Viens et affronte-moi de nouveau. Qu'est-ce que j'aurais aimé te dire, mais je suis à court de Pokémon. Et en plus, nous, la team Magma, on a quelque chose à farmer au ville. Ça va pour aujourd'hui, je te laisse filer. Ok, si tu le dis. Ouf. Il s'en est fallu de peu. Grâce à toi, il ne m'a pas volé ses importants papiers. Je sais, pour te remercier, je vais te donner cette Super Bowl. Ok. Cette brute de la team Magma n'a-t-elle pas dit qu'ils avaient quelque chose à faire à Mirville? Oh là là, c'est une catastrophe, je n'ai pas de temps à perdre. Allez, va-t'en. Toi, t'es un dresseur. Non. Oh là, ça baigne tes Pokémon. Si tes Pokémon sont faibles et que tu ne veux pas te battre, il vaut mieux ne pas tarder dans les hautes herbes. Ok, si tu le dis. Voilà, toi, t'es un dresseur. Ouais. Si t'amènes des Pokémon sectes à l'école, t'es tout de suite populaire. Ok, si tu le dis. Ningal. Hop, 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 Pokémon Zarco en avant. Ah non, paramur, paramur. Vite, faut qu'on le tue. Oh punaise. On va faire ça en accéléré, parce que sinon, voilà. Même s'il va nous tuer. Si on y... Oh là là! On tente. Pas grave, on a Zarwar. Et par contre, si Zarwar meurt, on est... voilà. Ouf! Le one shot. On est niveau 11, ça c'est bien. La chape est belle. Donc on va juste guérir notre Zarwar parce que maintenant ça va être le plus important. Et je me suis trompé. Voilà, c'est là, sac. Non, potion utilisée Zarwar. Voilà. Ah! Voilà. Huile. Oups, 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 excusez-moi. Voilà, nous avons terminé cette forêt. Voilà, pour les B. Voilà, madame. Parce que normalement, elle donne des B ou je sais pas quoi en fait. Non, c'est pas elle. C'est toi, c'est ça. C'est Walmer, ok. C'est toi alors. Je suis sûr. Les marrons, voilà. Voilà, nickel. C'est ce que je voulais faire ici. Donc je vais aller en haut parce qu'il me semble qu'il y a une Pokéball. Après, c'est des vagues souvenirs que j'ai. Ouais, ça. LP trouve potion, tatin. Et je sais pas s'il y avait des trucs cachés là. Pokéball. Ah! Il y a des hirondelles ici, dans ces coins-là. La forêt, enfin de la forêt, t'es au terme. Oups, ah, j'aime pas jouer comme ça en fait. C'est un tic, enfin c'est pas un tic, c'est je me trompe à chaque fois de bouton. C'est un W. Oh, toi t'es une dresseur plutôt. Un Zigzaton, on va lui faire poké, on va lui lancer un Zarwar en plein figure parce qu'on est des gros méchants nous. Choc mental, vas-y. Allez, pour que ça marche. Le one shot, non, le two shot, oui. Oh, j'ai rien dit one shot, critique. Yeah! Zarwar, tu déchires. Heureusement que je t'ai... Oh non! C'est quand, Mirouville? Nunupio! 25 minutes de vidéo. À peu près.
Voilà, Zarvoir en avant. Non mais, ouf, étonnement, il va falloir que je one shot. Aïe! On se calme, voilà, non mais j'hallucine. Malignon, non. Parce qu'il faut qu'on le tue. Ah non, 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 pas par sport. Ouf. Alors, vite, 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 sac. Qu'est-ce que j'ai dans le sac? Antipara, nickel, utiliser. Zarvoir, voilà. Potion utilisée. Oups, Zarvoir, nickel, voilà. Et voilà, c'était pas si compliqué en fait. Là, on peut pas y aller. Ah, les combats doubles, oh non. Ah oui, on va pas les faire. On va pas le faire maintenant, on va juste aller guérir nos Pokémon et on va les faire. Parce qu'avec Grignipio qui n'attaque pas, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, nous sommes enfin à Merouville. Où il y a la première arène. Qu'on fera, je pense, dans le prochain épisode. Donc j'espère que... Voilà, j'espère pas que cet épisode vous a plu parce que j'ai pas terminé. Donc oui, ou sinon, en vrai, j'espère que cet épisode vous a plu. On va juste aller voir les monsieur, dames, là. Les madames, les petites filles. Yo! C'est parti, combat double. C'est la première fois qu'il y a des combats doubles, il me semble. Dans les jeux comme... Ouais, c'est ça. Alors, Pokémon. Zarvoir, échanger. Et lui, on lui fera vive attaque sur lui. Allez. Voilà. Il attaque nickel, Grignipio des armures, ok, étonnement, choc mental, il attaque, il est mort, choc mental, ok, patience, attaque, choc mental, il attaque sur Grignipio, et on termine avec un choc mental de Zarvoir, et voilà, il est mort. Zarco 14, Zarvoir, ok, voilà, c'est terminé, c'était un combat, c'est facile, on va se faire ce Martin Pucher, mais en premier on va prendre ça, ah je me souviens, ah j'ai quand même des bons souvenirs, parce que je savais qu'il y avait des baies là, voilà, toi là, ah bah oui, si tu vois des baies qui ont poussé sur la terre, tu peux les replanter, mais tu dois les semer, tiens, je vais pas, ok, baies marron, t'as que ça, oui. Voilà. Pourquoi en faire un secret? Je suis l'expert en Pokémon O. Je ne me connais pas. Tu ne me connais pas, pardon. Magikarp. Pokémon Zarvoir. En avant. On l'a fait en vitesse max parce que c'est quasiment la fin de la vidéo. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo, tout simplement, on va juste passer par là parce que, à mes souvenirs, il y a une Pokéball. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc laissez, enfin, pardon, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Donc, on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. On a juste fait la forêt et on nous sommes arrivés à Meruil, voilà. Donc, allez, à plus tout le monde, c'était Lugabraz pour le deuxième épisode de Pokémon Version Ruby, notre nouveau Let's Play. Donc voilà, allez, tchuss tout le monde, c'était Lucabraz.